Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur notre nouveau Farming Simulator, le 2017. Donc je vais vous montrer comment stocker la semence. Donc déjà vous allez dans la boutique palette, vous prenez grand sac de semences, grand sac solide. Bien sûr, ce sont des sacs posés sur une palette, donc il vous faudra un télescope. Télescope ou chargeuse. Vous mettez la palette au-dessus d'une benne. Donc là, j'ai pris la plus grande, histoire d'avoir un petit peu plus de stock. J'ai rempli que en engrais. Donc... je vais vous montrer, comme vous voyez là, il y a déjà des semences qui sont posées. Donc, je vais voir si je peux les poser à côté, sinon je les pose à un autre endroit. Ah, non, pas trop envie que je le fasse ici. Bon, et eh bien... hier soir, enfin du moins ce matin, c'était pareil pour les semences. Je sais pas ce qui s'est passé, ils voulaient pas que je les décharge ici, ils voulaient que je les décharge nulle part d'ailleurs. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va pas faire la même chose. Sinon, je vous dis pas là... si je dois redémarrer à chaque fois le jeu pour décharger à cet endroit, je suis pas rendu moi. Donc on va essayer à côté. On va bien voir. Puis la nuit, c'est pas non plus. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas. Tout à l'heure, j'ai réussi avec le man. Je vais essayer avec le man, on va bien voir. Il y a encore quelques détails à peaufiner, mais bon, ça sera fait d'ici prochainement. Hop, démarrage. Maintenant, on peut demander soit le démarrage manuel ou automatique. Démarrage manuel, ça fait plus simulation. Automatique, bon, voilà quoi, c'est pressé. Alors, on va essayer. Vous voyez? Voilà, déchargé ici. Donc là, notre compartiment à semences juste à côté. Et là, nous avons notre compartiment à engrais. Donc voilà, cette petite vidéo vous a montré où et comment stocker les semences et l'engrais. Donc vous voyez, il y a un côté semences, un côté engrais. Maintenant on va utiliser le télescope. Alors le NH, celui-ci, c'est un mod, vous voyez. Hop, voilà, il est chargé à 99%. On va aller chercher un semoir. Pour ça, je vais prendre le tracteur. Hop. Le dernier stailleur, d'ailleurs, qui est magnifique. Il a un design vraiment bien retravaillé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce semoir, mais il était dans le 13, et pour moi, c'est le meilleur semoir qu'ait fait Farming. Il reste magnifique, il a un énorme... champ pour semer, enfin, champ. Une excellente largeur, du moins.
Est-ce qu'un champ? Oui, il fait des champs, oui. Donc voilà, mon godet, il est plein de semences, donc on va le décharger. Oui, j'en ai fait tomber par terre. Voilà, ça c'est rempli. Maintenant, on va prendre. Alors, ce qui est par terre, c'est ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le ramasser aussi pour le remettre ici. Reste encore. Ah non, ça c'est de. Oh, ça va être de la semence. Ouais, c'est de la semence. Ah, j'ai pas tout vidé dedans. On sait qu'il doit être plein. Voilà, ça ce sont des bâtiments à placer. Donc vous les placez où vous voulez. Moi je les ai placés ici pour être tranquille. Comme ça laisse l'autre bâtiment libre, et cela je vais pouvoir y mettre aussi du matériel à côté, parce que je compte pas prendre non plus tout le bâtiment rien que pour les semences et engrais. Donc voilà, mon semoir il est prêt. Hop là. Mon semoir il est prêt, il est rempli à 100%. Donc cette petite vidéo vous a montré comment remplir un semoir avec une benne et non avec les palettes, parce que si vous le faites avec les palettes, vous en aurez pour un sacré moment et je pense que vous allez vite vous en lasser. Donc là, je vous ai montré comment remplir ce semoir avec des compartiments à engrais et à palettes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver assez prochainement pour vous expliquer comment faire d'autres choses sur farming que vous n'avez pas encore exploité, que vous savez pas du tout. Donc je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!